Qui peuvent comprendre que le peuple, dans son ensemble, réclame qu'il soit rétabli dans ses droits, que justice soit faite. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Depuis 60, on n'a jamais vécu ceci. Les députés qui siègent toute une institution pacifiquement. Il ne faut pas leur demander de demeurer pacifique toute leur vie. Non. Ça, c'est la symbolique. Donc le combat atteint les niveaux métaphysiques et ésotériques. C'est ça. C'est un peu ça. Qu'on se comprenne. Ça sera Soyons gentils mutuellement. Cherchez à régler les comptes aux autres. Ils risqueront de vous régler les comptes dans la rue. Ce qui est grave. Ça, c'est un message fort. Nous ne sommes pas loin de régler les comptes dans la rue. Ça sera aussi comme ça demain ou c'est juste symboliquement pour aujourd'hui? Ça, c'est une nouvelle formule de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition de Mboussa Nyamusi. Ce n'est pas l'opposition de Longankoi. Ça, c'est l'opposition de Daniel Safa. C'est une nouvelle formule de l'opposition. Une opposition qui fonctionne avec l'intelligence. Une intelligence opérationnelle. Ça, sont des stratégies qu'on ne dévoile pas. Les gens vont vivre des choses. Le Soudan, tout a commencé avec le pain. Le Congo, je pense, tout peut démarrer avec la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Nous maîtrisons des théories scientifiques qui sous-tendent agresser l'agresseur. On nous a agressés. Qu'on ne nous demande pas d'agresser l'agresseur. Aussi longtemps que nous connaissons l'agresseur. Hey, hey, hey.
présenter. D'abord votre nom. Oui, parlez un peu plus fort parce qu'il y a la musique là-bas. Je suis Evans Toulon Mamalembe, le président de la dynamique des jeunes Congo. Vous êtes résident ici à Kinshasa. Président national, donc nous évoluons dans deux provinces. Ici à Kinshasa, je suis à Congo central. Alors, qu'est-ce qui justifie votre absence, votre présence, pardon, jusqu'à cette heure ici à la Cour constitutionnelle? Étant que président de la dynamique des jeunes Congo, n'est-ce pas, nous sommes venus pour déclarer, exiger à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, de réhabiliter, notre fils Nekongo, Daniel Safou. Parce que les choses que nous venons d'apprendre, c'est inconcevable. Nous voulons la réhabilitation de notre fils Daniel Safou, sans condition. Voilà notre présence dans le lieu. S'il n'est pas réhabilité. S'il n'est pas réhabilité. Non, parce que c'est le premier. Nous sommes là, étant que citoyens congolais, nous revendiquons son réhabilitation. Si le cas est qu'il n'est pas réhabilité, voilà, nous allons amplifier les choses. Parce que nous sommes des Congolais, nous avons le droit de revendiquer. Parce que tout ce qui vient de se faire, nous en avons connaissance. Nous savons le pourquoi. Alors c'est pour cela que nous exigeons à la Cour constitutionnelle de réhabiliter, n'est-ce pas, notre fils Daniel Safou. Alors, si la chose ne se tient pas, nous allons amplifier les choses et puis j'espère que le pire viendra. Merci. Merci. Balobi Alléluia. Balobi Alléluia. Amen. Je suis un peu plus de temps.